Alors, en général, les tourneurs sans bois, on travaille pour les professionnels du bois, donc menuisiers, ébénistes, antiquaires, architectes, designers, des particuliers, et soit pour de la restauration de pièces anciennes ou de la création de pièces. Et donc, on peut venir avec des plans, idées, croquis, un modèle ou une photo, et on met ça en œuvre. Donc ça, c'est du Henri II, et c'est un monsieur qui m'a apporté 4 pièces comme celle-ci à reproduire, et ça va sur une horloge ancienne, c'est de la pièce d'ornement. Mais ça peut être aussi des pieds de table, des pieds de bureau, des balus escaliers, les manches d'outils, pilons, mortiers, jeux d'échecs. Donc c'est assez varié comme travail. Ce sont des pièces à l'unité ou en série. Et le flash qui est là, c'était le carré. On a l'impression qu'on enlève beaucoup de bois et en fait on a enlevé que les angles. Alors maintenant que la pièce est cylindrique, eh bien on donne la forme. Là, je travaille avec 2 gouges et un bédane. Et tout ce qui est incurvé, ce sont des gouges. Un petit peu de ponçage pour la finition. Alors, quand on voit faire, ça peut paraître facile, il faut un peu de dextérité. Mais le plus difficile, ce n'est pas de tourner une pièce, c'est de savoir reproduire. Et donc c'est ce qu'on demande en général au tourneur. À une table, il y a 4 pieds, il faut que les 4 soient identiques. Le brunissoir, on brûle avec un autre bois, et là c'est le frottement qui fait que ça chauffe. Comme les premiers hommes, quand j'allume le feu, c'est le même principe. De la cire d'abeille, on va chez l'apiculteur et on prend les pains de cire que l'on fait fondre au bain-marie avec la térébenthine, un petit peu d'huile de coude, là faut demander à papa et maman ce que c'est l'huile de coude, là on fait toujours un peu. Et voilà, donc la toupie ancienne. Et donc, dans le Périgord, on appelait cette toupie la périnquette ou la bauduf. La bauduffo. Donc, en Gironde, autrefois, on appelait la toupie le cibot. Et on disait que les valseurs tournaient comme des cibots. Mais dans le Médoc, le ciboulot. Et quand on dit qu'on perd le ciboulot, eh bien, c'est le nom de la toupie. Mais ça, c'est du gascon. Et jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande, on parlait le gascon. Donc, cette toupie, elle tourne. Pour un tourneur, il faut que ça tourne. Mais en fait, les enfants prenaient une ficelle, donc un bon mètre de ficelle. Ils l'enroulaient tout autour, ils lançaient et ça tournait. Et ils arrivaient donc à envoyer la toupie à plus de 10 mètres. Elle tournait plus de 5 minutes et ils étaient très précis avec. Alors comme autrefois les enfants n'avaient pas beaucoup de jeux, et bien jusqu'après la guerre en France, en Europe et dans le monde, et bien ils ont joué avec ces toupies.